Salut à tous et à toutes, c'est Sam et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode du Ranch de Woody. Alors je sais, ça a mis un peu de temps à venir, j'ai pas uploadé de vidéo pendant une semaine, mais vous inquiétez pas, je bosse sur des projets en ce moment, pas seul, et vous allez voir que ça va être super méga cool. Alors vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il y a un trou ici? Alors dans cet épisode, on va faire un peu de construction à nouveau. Cette fois-ci, on va construire des enclos, on va faire un peu de décoration, vous allez voir. Et d'ailleurs, j'ai pas tourné d'épisode du ranch aussi récemment, tout simplement parce que je sais pas vraiment quoi faire dans le ranch. Maintenant, je sais pas trop quoi ajouter, et donc j'attends vos propositions. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la description, réfléchissez un petit peu et essayez de trouver des trucs sympathiques à me proposer. Et bien sûr, ben, vous apparaîtrez dans ma prochaine vidéo avec votre suggestion, si je trouve des trucs cool évidemment. Donc on va construire un petit puits aujourd'hui, vous allez voir, ça va être super, super rapide, assez classe. C'est juste tout simplement pour ajouter un peu de vie au ranch, parce que hormis des enclos et quelques maisons, il n'y a pas grand chose. Donc j'ajoute un peu de déco en ce moment, parce que je réfléchis en plus à rendre la carte publique, parce que bon, à la fin de la saison, je mettrai la carte, enfin la map, je la rendrai publique. Donc je réfléchis à quelques petites choses que je pourrais faire pour rendre la visite du ranch assez sympa. Donc bon, je rajoute un peu de décoration en ce moment, pour que ça soit un peu plus vivant dans le coin. Et vous allez voir, on va pas faire que ça dans cet épisode, bien sûr. Vous allez voir ce qu'on va faire après, on va faire autre chose d'assez cool. Non, il veut pas se poser, on va faire comment? On va faire ça, tac. Wow, j'ai eu un bug bizarre. Pourquoi je peux pas bouger? D'accord. C'était étrange, assez étrange. Tac, voilà, parfait. Maintenant on peut descendre, on va détruire ça. Alors, ouais, donc la suite, ça va être encore de la déco, mais ça va être une nouvelle section de la maison, enfin, pas de la maison, une nouvelle section du ranch que j'ai construit récemment. Vous allez voir ce que c'est assez sympathique. C'est une petite addition comme ça que j'ai voulu faire. Je ne l'ai pas construit en vidéo parce que sinon ça allait être trop long, mais vous allez voir directement ça quand j'aurai fini de construire ce petit puits. Madame la vache, tu vas aller te noyer un coup? Non, tu veux pas, très bien. Bon, bah, le serpent va rester là alors. Tac, mince, j'ai fait nimp. On va récupérer ça. Dame, voilà, ça c'est fait. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu chuchotes? Si je te demande qu'est-ce qu'il y a, forcément ils vont t'entendre, donc oui. Au lieu de faire ça, faut ta pioche, parce que tu vas prendre plus de temps. Non, mais sauf que le bois, ça se mine pas avec une pioche. Bah non, c'est pas si joué, je te le dis. Ah, d'ailleurs, oui. Attention, regardez-moi ça. Je m'appelle Batman. D'accord, voilà, c'était ma voix de Batman. Je sais pas pourquoi, j'ai installé un mode la dernière fois, je pensais faire un épisode de Woody Story dessus, mais finalement je l'ai pas fait. J'ai un masque de Batman, bon voilà. Oui, c'est bien, je sais. Mais bon, au final, le mode est un peu pourri, je trouve. Voilà, bref. Je devais faire un épisode du ranch, enfin un épisode de Woody Story dessus, mais je ne l'ai pas fait. La prochaine vidéo, je pense que ça sera un épisode de Woody Story et pas un épisode de Supercraft Brothers, parce que ça fait longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas fait un épisode de Woody Story. Et je vais essayer de regarder si je trouve des mods pour pouvoir vous faire un épisode de rage comme je l'ai fait avec les loups, parce que vous aviez été très nombreux à aimer cet épisode. Donc voilà, le puits est achevé. Ça fait un petit élément de déco comme ça, c'est assez sympathique. Ça fait une sorte de point de centre sur la map. Et voilà, ça pourra toujours servir. On a une source infinie ici, on sait jamais. Et voilà, donc ça c'est fait pour le puits. Et on va pouvoir tout de suite passer à la construction du reste. Vous allez voir ce que c'est, ça va être assez sympathique. On se retrouve là-bas. Et nous revoilà. Donc pour nous situer un peu, là il y a la maison de Monsieur Patate. Là il y a le moulin. Et si on continue vers le moulin, pas le moulin pardon, la tour, je me suis trompé. La tour, j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire dedans. Faudra qu'on fasse quelque chose dedans, parce qu'elle sert à rien pour le moment. Si on continue un peu par là, regardez, oh mon dieu, il y a une sorte de grotte comme ça. Une sorte de petite taverne que j'ai l'habitude de construire. J'aime bien construire ce petit genre de maison. Des fois je me construis une maison comme ça, dans une petite montagne comme ça. Je trouve ça assez sympathique. Et donc j'ai construit cet endroit, vous vous demandez certainement pourquoi. C'est tout simplement pour accueillir tous les petits animaux entre guillemets du ranch. Donc par exemple Sly, au lieu de rester dans la maison, va venir ici, va déménager ici. Et tous les petits animaux qu'on aura au fur et à mesure de la série viendront habiter ici tous ensemble. Et regardez, alors à quoi sert ce levier? Vous allez avoir une surprise. Pour tous ceux qui étaient déçus, attention. Blam, bam, trou du quai là. Oui, vous avez vu ce système de fou. Il a failli crever d'ailleurs. C'était assez impressionnant. Ouais, maintenant il y a un gros trou à reboucher. Tant pis, on va faire ça, j'ai la flemme. Voilà. Faudra que je le soigne parce que, enfin, je peux pas lui donner ça. Non, je peux pas lui donner ça. Est-ce que tu veux un steak par hasard? Non, très bien. Donc bon, on le soignera. Je sais pas quand il faut le soigner, mais on va le soigner. Vous inquiétez pas. Trou du quai de retour parmi nous, c'est la bonne nouvelle. Et donc, on va décorer un peu cet espace parce que ça fait un peu craignos là maintenant. Donc on va ajouter un peu de fantaisie à cet endroit, vous allez voir.
Bon, finalement, je crois qu'en fait la série va se transformer. Donc, moi j'ai dit au début que ça allait se transformer en Zool Ranch. La série se transforme carrément en tutoriel de décoration et de construction, j'ai l'impression. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Si vous aimez ça, c'est le principal. Par contre, si tu pouvais sortir de là, ça me ferait plaisir. Bon, de toute façon, tu vas te prendre le courant d'eau dans la tronche. Mais sors de là, Andouille, tu vas mourir. Produc. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Il se noie même pas. C'est un lapin amphibie. Non, c'est bon, il est sorti. Tac. On rebouche, et voilà. J'aime bien mettre des petites sources d'eau comme ça, des fois, de temps en temps, je trouve ça assez fun. Voilà, ça rajoute un peu de vie, au final. On va replacer tous nos seaux, on va faire à nouveau... Il me reste des fences, c'est génial. On va pouvoir se faire des arbres en mode Bilolette style. Tac, comme j'ai l'habitude de les faire. On va en mettre un ici, comme ça. Tant pis, on va pas en mettre deux. On va ajouter aussi, bon, allez, des vines, on est fou, on est des fifous, nous. C'est comme ça qu'on fait, voilà, boum boum boum. Tac, et on va rajouter une dernière ici, voilà. Et ici, voilà, soyons fous. Ensuite, on va ajouter une tête de poulet. Alors ça, c'est dans le mode Jamie's Furniture. Vous avez des fois des têtes d'animaux comme ça. Donc ici, voilà, boum, on a mis un poulet, c'est fantastique. C'est pour faire genre une sorte d'alerte pour les animaux, tu vois. C'est si jamais vous faites une connerie, vous allez finir comme le poulet, voilà. Tech, on va mettre des item frames un peu partout parce que j'aime ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime item frames. Donc on en fout. Allez, on va en mettre un ici avec une slime ball dedans. Et on va en mettre un dernier là-haut, tech, avec un champignon dedans. Voilà, c'est parfait. On va ajouter le dernier truc, je crois que j'avais encore... Ouais, j'avais un pot ici, donc on va mettre un pot avec une fleur. Histoire de rajouter un peu de gaieté dans cet environnement. Bam! Bam! Et voilà, nous avons terminé le petit enclos pour les petits animaux. Truduc est bien là-dedans, donc on va le laisser ici. Il a que 4 PV, punaise. Là, il n'en a plus qu'un, donc c'est-à-dire que si je te mets une patate, il crève. Clairement, c'est ça. Donc on va aller chercher Sly et on va le ramener dans sa petite maison. Hop, tac, tac. Enfin, sa nouvelle maison. Salut Sly. Où est-ce que j'ai mis ma ficelle? Bon, on va s'en recrafter une parce que je la vois pas. Et j'ai la flemme de chercher. Faut juste que je trouve comment on les fait. Je sais plus. Voilà, bon, bah c'est comme ça. Trop fort, voilà. Tac, viens là Sly. Hop là. Bouge ton boutique, voilà. Tac. Et puis on va l'emmener là-bas. Bon, la chèvre, on va la laisser avec Franklin. Hein. On va pas la mettre dans l'enclos là-bas. Et qu'est-ce qu'il glande lui? D'accord, bon, ok. On va aller jusque là-bas. Il faudra que je rajoute des poteaux avec des torches. J'en ai pas, mais bon, tant pis. Mais ici, je rajouterai des poteaux et des torches sur le chemin pour éclairer tout ça. Truduc, ne t'en va pas, s'il te plaît. Merci. Et voilà. Ils sont bien là, ici. Ils ont une belle petite maison. C'est fantastique. Un peu de construction dans cet épisode d'aujourd'hui, un peu comme toujours, j'ai envie de dire. Donc bon, faites-moi vos propositions, pardon, pour le prochain épisode. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais construire? J'ai besoin de votre aide. Non, c'est pas la vache invulnérable. Est-ce qu'elle est encore ici? Elle est plus ici, la vache. Ah si, elle est là. Elle est là, tout va bien. Franklin aussi a perdu un peu de vie et je sais pas du tout comment lui redonner sa vie. Non, ça marche pas. Bon, bah, ok, tant pis. Bref. Si vous avez aimé cet épisode assez court du ranch de Woody, je sais, il était court, mais bon, voilà, quoi, j'ai fait mon petit truc, je pouvais pas rajouter grand-chose. Eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour peut-être apparaître dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes un petit nouveau, et on se laisse tout de suite avec les commentaires de la vidéo précédente. Ciao tout le monde!